Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que l'intro qui va suivre a été créée par Léo066 Minecraft. Sa chaîne sera dans la description, donc bonne vidéo. Bien, salut à tous les amis, c'est Jemonix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto. Donc, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un mois, oui, depuis le 28 décembre. Je m'en excuse, j'ai pas pu trop faire de vidéo en ce moment, donc je m'en excuse vraiment. Donc, demain, il y aura encore une nouvelle vidéo qui va sortir. Donc, dites-moi en commentaire quel style de vidéo vous voudrez. Pour après, enfin, pour d'autres vidéos, hein, ce que vous préférez. Donc, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification, comme ça vous ne raterez plus aucune des prochaines vidéos. Aussi, comme ça, vous ferez partie de la Team Diamant. La Team Diamant, c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Aussi, je t'invite à lâcher ton plus gros like, comme ça, à 10 likes sur cette vidéo, je refais automatiquement une vidéo tuto build. Donc, dans cette vidéo tuto build, je vais vous apprendre à construire une maison. Donc, je vais faire un timelapse pour faire les murs. Et je vous dirai aussi la distance qu'il faut. Donc, alors, on se retrouve après une petite ellipse, une fois que que je vous aurai fait voir le plan par terre. A tout de suite. Re tout le monde. Donc, là, je vais vous indiquer du coup, les dimensions. Donc, là, la maison, elle est peut-être un petit peu petite, mais inquiétez-vous pas. Vous pouvez l'agrandir, voilà, c'est juste un petit exemple de maison. Donc, alors, là vous êtes à l'avant. Donc vous allez poser 8 blocs. Donc là, vous allez poser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 blocs de quartz lisse. Ou d'autres blocs, comme vous préférez, faites la maison que vous voulez. Ensuite, vous placez 4 blocs de quartz à partir de celui-là, là. Donc vous faites 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous mettez 5 blocs à partir de celui-là. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième du coup au bout. Après, 7 blocs ici à partir de celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, vous allez placer 12 blocs à partir de celui-là. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et ensuite, vous allez combler, donc ce qui fait 10 blocs. Donc, hop. Et donc, ça vous donne. Pour l'instant, enfin, la maison, là, elle est un peu petite, mais c'est normal. Donc, je vais vous faire un petit timelapse en x2 pour que vous voyez bien, tout simplement. Enfin, pour éviter de vous faire perdre votre temps, hein, tout simplement. Donc, juste avant le timelapse, on va casser comme ça. Hop là, vous allez mettre les planches de bouleau. Donc, en timelapse, je vais mettre toutes les planches de bouleau là. Donc, ça va être assez rapide, logiquement. Ou en ellipse plutôt. Vous remplacez tout ce qui est à l'intérieur en bouleau. Donc, voilà. Et donc, après, du coup, on se retrouve après une petite ellipse. Donc, à tout de suite. Bonjour tout le monde, donc voilà j'ai posé tout le sol donc en bouleau. Donc ensuite et ben vous allez faire hop comme ça, vous allez poser deux blocs comme ça de haut, juste comme ça, deux par enfin voilà quatre blocs comme ça. D'autre côté vous allez faire pareil et vous allez en rajouter un ici. Donc voilà. Ensuite enfin non vous allez en rajouter un troisième même. Et après, vous allez relier tout ça. Donc voilà. Voilà comme ça. Vous laissez comme ça deux espaces à chaque fois comme ça. Voilà. Hop. Vous rebouchez comme ça pour faire les vitres. Vous faites comme ça. Hop là. Donc là, c'est comme ça. Après, vous placez comme ça. Tout le temps deux blocs en fait du bord. Là, vu que vous avez là, tout ça en bloc, vous allez faire ça. Donc, vous allez placer deux blocs au milieu comme ça. Ensuite, vous allez mettre comme ça.
pour faire l'angle de la porte, hein. Vous allez poser hop comme ça. Hop là. Vous allez poser ici, ici, hop, comme cela. Ici, vous allez tout reboucher, tout simplement, hein. Enfin, c'est soit vous rebouchez tout, soit vous, vu que il y aura peut-être un second étage. Sinon, s'il y a un second, si vous rajoutez aussi un second étage, vous cassez tout. Vous cassez celui-là, là, surtout. Enfin, les deux, oui. Ah non, que celui du milieu. Et ensuite, vous mettez une grande colonne de vitres, mais là, je vais pas le faire dans ce tuto. Là, je vais juste faire une maison assez simple, finalement. Donc là, vous allez prendre la porte que vous souhaitez, en fait, tout simplement. Moi, par exemple, je vais prendre une porte qui va assez bien dans le style. Donc voilà, ça fait ça. Après, là, je vais faire un petit timelapse pour poser les vitres. Donc, je vous retrouve après ce petit timelapse. A tout de suite. Bon, re tout le monde, voilà. Donc, vous l'avez vu en timelapse, hein, voilà. Donc, moi, j'ai posé des vitres comme ça. Ah, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai un petit problème. Donc, là, vous mettez comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez mettre d'autres vitres que ça, hein, bien sûr, hein. Donc, ensuite, vous allez prendre plutôt des dalles, comme cela. Des dalles en quartz lisse, toujours, ou quartz normal si vous êtes dans une version un peu plus vieille. Et là, du coup, je vais faire un timelapse pour poser tout comme ça, là, voilà. Et donc, je vous retrouve encore une fois. À tout de suite. Bon, voilà. Donc, c'est posé, là, hein, vous l'avez vu. Donc, vous allez poser des escaliers comme cela. Donc, vous allez les poser comme ça. Ici, vous allez en poser, mais uniquement ici, comme ça. Donc, voilà. Vous allez poser pareil de l'autre côté, comme ça. Donc, voilà. Donc, là, vous allez le poser sur tout le long. Voilà, hop, hop, hop. Là, vous allez les prendre. Du quartz, tout court. Donc vous allez mettre du quartz. Vous allez mettre comme ça. Après, c'est vous qui décidez, hein. Sinon, vous pouvez faire un toit uniforme. Mais là, juste pour la vidéo, on va faire comme ça. Donc là, vous rajoutez un bloc comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez remettre comme ça. Aussi, on va prendre des dalles du coup de en chaîne. Voilà. Après, on va comme ça. Hop là. Et tout le temps comme ça, voilà, du coup. Après, vous vous occupez que de cette partie pour l'instant. Ah bah non, mais finalement, les dalles, il n'y en a pas besoin. Je pensais en avoir besoin, mais finalement, non. Donc, vous les posez tous comme ça. Et donc, après, on se retrouvera après une petite ellipse, le temps que je pose tous les escaliers comme ça. Donc, vous les posez tous exactement dans ce sens-là. Et donc, moi, je vous retrouve à tout de suite. Re tout le monde. Donc, voilà, là, j'ai fini cette partie du toit. Et donc, ensuite, là, on va aborder la seconde partie, du coup. Donc, là, enfin, comme vous l'avez pas vu, mais dans l'autre partie, j'ai mis des trucs comme ça. Et à l'intérieur, j'en ai rajouté aussi. Donc, hop, là, on va rajouter un ici. Donc, les dalles, elles vont bien servir, hein, en fait. Voilà. Vous mettez comme ça. Comme ça et ensuite comme ça. Donc là ça vous fait enfin pour vous aider à poser les escaliers tout simplement. Et donc là on se retrouve pour un petit timelapse vite fait pour poser tous les escaliers tout simplement. Donc à tout de suite. Voilà, donc c'est fini. Donc là ça donne une maison plutôt moderne, enfin voilà. Sinon, ce que vous auriez pu faire, c'est de rajouter des escaliers comme ça là à la suite, mais voilà, hein, c'est vous qui décidez, c'est votre maison. Et donc moi pour l'intérieur, je vous fais juste un petit conseil comme ça. Ce serait de mettre, enfin moi je mettrais des petites lampes comme ça du Nether, enfin ouais du nouveau Nether. Vous faites comme ça.
Et donc ça fait ressortir un petit peu l'aspect, voilà, hein, moderne, enfin, assez moderne, quoi, en tout cas. Donc vous faites ça à peu près partout, vous y faites comme vous le voulez, tout simplement. Donc tout le temps à deux, enfin à deux ou comme vous voulez, en fait comme vous voulez. Donc ça donne ça, ou sinon après avec des six lanternes, ça donne ça si je les trouve. Les six lanternes, voilà. Donc avec les six lanternes, ça donne ça. Donc ça donne des trucs un peu plus, on va dire pour les versions anciennes. Donc ça c'est plus pour les versions anciennes, la six lanternes. Et après du coup les champi-lampes, c'est surtout pour la nouvelle version, hein, voilà. Donc je vais juste remettre l'heure à midi, enfin au jour. Donc voilà. Bah donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Donc c'était juste pour vous faire voir comment faire une petite maison moderne, tout simplement. Enfin, sinon j'ai aussi un petit truc vite fait à vous montrer. Moi personnellement, sur mon serveur Minecraft, je fais ceci pour faire l'extérieur. Enfin, vous faites comme ça ou avec du gravier. Vous faites comme ça là. Et ça rend assez stylé, je trouve. C'est soit vous le mettez comme ça pour faire un peu effet terrasse. Ou sinon, vous le mettez avec du gravier pour faire une sortie de maison, machin. Ou sinon, après, sinon, vous pouvez rajouter encore un garage là. Donc voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas encore une fois de bombarder les likes et de vous abonner. C'est super important, hein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme ça vous ferez partie de la team Diamant. Et aussi, aux 50 abonnés, du coup, il y a mon son. Et il faudrait essayer de rattendre les 40 abonnés parce que là, on a perdu un abonné depuis mon absence, hein. Ouais. Donc, essayez de partager à fond ma chaîne pour que ça m'aide, enfin, parce que ça m'aide vraiment si vous partagez. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire. J'ai sorti une vidéo plus récemment que mon ancienne vidéo là sur cette chaîne. Elle parle sur le programme Apollo. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le montage machin. Donc, j'aimerais bien qu'elle atteigne au moins les 100 vues pour me prouver que vous êtes présent en fait, que vous êtes des vrais abonnés machin. Donc bref, on va se quitter là. Donc c'était Diamonix pour vous servir. Ciao ciao!